m'appelle Don Louis Gustave, je suis prêtre à Douai depuis le mois de septembre dernier. Je suis un jeune prêtre parce que j'ai un an de sacerdoce et c'est mon premier pèlerinage avec le diocèse de Cambrai à Lourdes. J'ai accompagné le groupe Arc-en-Ciel. Le groupe Arc-en-Ciel, c'est un groupe qui s'occupe des jeunes en situation de handicap. Là, nous étions une vingtaine et nous les avons accompagnés pendant ces quelques jours. Alors, une grande joie de ce pèlerinage, d'abord, ça a été l'esprit de fraternité qui régnait entre les pèlerins et les hospitaliers et les malades, de découvrir cette belle fraternité du diocèse de Cambrai et de pouvoir rencontrer un peu les membres de ce diocèse. Et je suis aussi très émerveillé de l'ouverture des cœurs, notamment des malades que j'ai accompagnés, que j'ai eu la chance d'accompagner. On les a vu arriver fatigués après un long voyage en train avec 3 heures avant Toulouse. Et au fur et à mesure des jours, au fur et à mesure que le pèlerinage avançait, je les ai vus s'ouvrir, devenir de plus en plus rayonnants et tisser entre eux des beaux liens d'amitié. Et je leur souhaite de tout cœur que ces liens puissent durer durant l'année, qu'ils puissent se nourrir les uns les autres et se retrouver dans la joie l'année prochaine. Et faire ce premier pèlerinage comme prêtre, c'est très beau. C'est très beau de voir le regard de foi que les gens portent sur les prêtres et ce regard presque plein d'espérance. On sent qu'il y a beaucoup d'attentes pour les prêtres, alors pour nous c'est un peu exigeant. Surtout qu'en fait, entre le moment où j'ai été ordonné et juste avant, j'ai pas vraiment senti la différence. Et pourtant, tout a changé, c'est un peu un mystère. Et le regard de foi des gens m'aide à croire dans mon être de prêtre. Donc je veux vraiment remercier tous les paroissiens du diocèse de Cambrai pour leur accueil. On m'avait dit que le Nord était une région chaleureuse. Eh bien, c'est vrai, il y a le soleil, et pas simplement dans les cœurs, parce qu'il y a aussi le soleil dans le ciel. Et j'espère pouvoir renouveler ce pèlerinage de nombreuses fois. En tout cas, si vous n'étiez pas là, je vous y invite avec enthousiasme pour nous retrouver l'année prochaine pour le prochain pèlerinage.